Salut à tous les amis, c'est Jody Dreams. Et bien me voici avec une petite vidéo. Je ne sais pas pourquoi je l'oublie, parce que ben voilà, vous la regardez, donc vous savez que vous la regardez en théorie, hein. Donc en fait, je me suis dit tiens, je vais faire un gameplay, pouf. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, comme vous voyez, le centre de recette est ouvert. Et je ne sais pas quelles conditions il faut remplir pour qu'il soit ouvert. Mais voilà, je me suis dit que ben comme je suis chez moi, tranquillou, j'allais vous montrer un peu l'intérieur de ce centre. Donc si certains d'entre vous savent les conditions qu'il faut remplir pour que le centre soit ouvert, maintenant je vois qu'il est presque minuit, c'est rare quand je joue encore à ce jeu à cette heure si tardive, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Enfin, comme vous voyez, je suis super black aussi, j'ai bien bronzé. Et comme vous voyez aussi, l'image est un peu moins floue que d'habitude parce que je filme avec mon téléphone, donc l'image est de meilleure qualité. Maintenant, Indara pense éventuellement acheter une caméra, donc une vraie caméra, donc je ferai souvent des gameplays avec cette caméra. Maintenant, je ne sais pas quand je l'achèterai, enfin quand on l'achètera, donc j'en ai vraiment aucune idée. Donc, bah voilà. Je ne vais pas vous dire une date, donc c'est possible que vous ayez encore des gameplays durant quelques mois avec une image un peu floue. Maintenant ici c'est parce que je sais bien que je ne vais pas devoir courir, que ça sera assez facile de faire mes gameplays, enfin... que là ce serait vraiment un gameplay assez court, c'est vraiment pour vous montrer une sorte de recette. Donc voilà. Ah oui, il y a aussi une petite nouveauté dont j'ai pas dans mon ancien gameplay. Comment est-ce qu'on rentre dedans déjà? Ah bon, c'est pas chez pouf. Donc pour ceux donc qui n'ont pas ce centre, je vais vous expliquer un peu donc à quoi il sert. Donc il coûte quand même pas mal de clochettes comme projet parce qu'il faut le débloquer. Maintenant je sais plus exactement comment on le débloque, s'il y a des conditions à remplir ou si c'est simplement un habitant qui vous le demande. Ben moi on me l'a demandé et comme je voulais débloquer d'autres projets, ben je me disais bon hop, je vais le faire. De toute façon c'est rare quand j'éteins ma console comme une grosse sauvage. Donc voilà, je pense pas que qui va venir m'engueuler, mais qui est déjà venu m'engueuler au moins une ou deux fois. Donc voilà. Voilà l'intérieur du centre de Recetti. C'est carrément crade. Hein, autant le dire, c'est un peu dégueulasse. Hein, enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Il regarde la téloge en fait, je crois, ou il regarde le mur. Je sais pas. Donc les petits sièges, vous savez pas vous sortir dessus. Non, c'est pas. À moins que, je sais pas, je vais peut-être appuyer sur A. Non, rien du tout. Des petits haltères. On n'est pas sûr qu'il est en face, hein, grassouillet comme il est. En même temps, ce soit des muscles, une taupe musclée, je ne sais pas. Il y a un petit thermomètre, là, je vois. Et des jocks. Il y a des WC. Et on sait, ça sort dessus. Donc voilà, on fait pipi avec la porte ouverte. C'est génial. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit, Recetti, dans son centre? Mais il n'y a pas grand-chose. Hein? D'accord, ok. D'accord, ok. Ben en fait, il est comme les femmes enceintes. Hein. Des choses qui arrivent. Hein. Ah, à ce point-là, d'accord. Donc ce qui est déjà bien, c'est que cette fois-ci, il se montre sympa, plus ou moins. Il raconte sa vie, mais la fois passée, il m'a foutu dehors, mais sans ménagement. D'ailleurs, j'avais dit que je crois que j'essaierai de vous montrer les photos, donc je vais essayer vraiment de penser de mettre les photos dans ce gameplay à la fin du montage vidéo. Qu'est-ce que tu me... C'est tout ce que tu dis? Si tu bouges un petit peu, que je te reparle, tu me dis quoi? D'accord, ok. Bon, bah alors on va ressortir. Je vous ai montré un petit peu l'intérieur. Hein. C'est crédin, regarde, dans les coups d'œil, télé, une madame qui regarde la télé. D'accord, ok. Je sais pas ce qu'elle chante, mais bon. Qu'est-ce que vous avez... donc ce soir, on est le samedi soir. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson auprès de Keke? Moi, j'ai choisi Bossa de Keke. C'est une chanson que j'aimais. Bah voilà, maintenant c'est fermé. Il a refermé
la bouche d'égout. Moi, j'ai choisi donc Bossa de Keke. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, je mettrai sûrement des... Comme il est tard, je posterai ce gameplay demain. Je ferai sûrement le montage et je le posterai demain. Je mettrai sûrement la chanson donc, de Keke, ouais, demain. Parce que j'ai filmé, bien sûr. Donc j'ai choisi Bossa de Keke. Pour ceux qui ne savent pas, bah, je vais aller un petit peu chez moi pour vous la faire écouter. Mais ça sera vraiment pas longtemps. J'ai pas vraiment eu de nouveaux objets, je dois dire. Ah oui, tiens, je vais préciser certaines choses. Genre, je vais en profiter tiens, de cette vidéo pour mettre certaines choses au clair. Il y a des gens qui me demandent « Oui, j'aimerais te faire une fille avec toi, nanana. » C'est super gentil, ça me touche beaucoup vos demandes. Mais donc là, je vais le répéter. Les gars, je suis désolée, mais ça ne sert à rien de me demander des Wi-Fi par commentaire sur YouTube. Donc, je vous lis déjà, j'en vois déjà qui écrivent un commentaire. « Je veux faire une fille avec toi. » Désolée, la réponse, ça sera non. Et je ne fais pas de préférence. Voilà, il n'y aura pas de préférence. Parce que tout simplement, comme je l'ai déjà expliqué, je fais des Wi-Fi qu'avec des gens que je connais. Maintenant, je ne suis pas contre le fait de faire connaissance et de faire une Wi-Fi avec vous après. Mais seulement, moi, je ne fais pas connaissance via les commentaires de YouTube parce qu'on ne sait pas avoir de véritables discussions. Moi, il me faut une discussion un tant soit peu soutenue. L'autre jour, j'ai une jeune fille qui est venue me parler, enfin, qui a un compte Skyrock et qui est venue me parler. Je ne la suivrai pas parce que, voilà, c'est une discussion qui, à la base, ne regarde qu'elle et moi. Donc, c'est pas, vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est, je vais y arriver. Qui voulait faire une Wi-Fi et je dis bah écoute oui je ne te connais pas encore assez que pour refaire cette Wi-Fi, j'en profite pour refaire cette musique en même temps hein. Donc j'aimerais qu'on fasse connaissance et tout ce qu'elle a fait en fait c'est pas méchamment hein, c'est très gentil mais tout ce qu'elle fait c'est dire ah oh, ta ville est belle oui c'est bien mais c'est pas en me flattant que vraiment qu'on fait connaissance quoi. Moi j'aime bien des discussions un peu plus soutenues. Donc voilà, apprendre vos goûts musicaux, apprendre les films que vous aimez bien, ce que vous aimeriez faire plus tard si vous êtes assez jeune, parce que je ne suis pas contre le fait de faire des wifi avec des gens plus jeunes que moi, bien sûr. J'ai une amie, bah, je vais la citer, d'ailleurs je vais lui faire un gros bisou. J'ai mon amie Nolwenn qui a 12 ans, bah oui, il y a 13 ans d'écart entre elle et moi, et ça ne me dérange absolument pas de faire des wifi avec elle, que du contraire, je m'amuse toujours vraiment beaucoup avec elle. Donc voilà, et. Mais avec mon amie Aïcha, je pense que tu es assez jeune. Peut-être que je me trompe, mais non. Voilà. Ça me dérange absolument pas. L'âge, pour moi, n'est pas un frein. Donc, moi, tout ce que je demande, c'est qu'elle fasse une Wi-Fi avec moi. Bah, faites-vous un compte Skyrock. Skyrock, c'est gratuit. Et alors, à ce moment-là, vous pourrez parler. Le lien vers ce blog est dans les liens, je pense, au-dessus de la chaîne. Donc ouais, il y a vraiment pas de souci. Ou bien si vous voulez, si j'y pense, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, ben, simplement, ben, vous allez sur le blog, vous faites un compte et vous venez me parler par commentaire. Je suis vraiment ouverte à la discussion. Je suis désolée, j'arrête pas de bégayer, il est un peu tard. Donc voilà. Je suppose que vous avez l'air d'écouter un petit peu la bossa, enfin bossa de Keke. Hein, au pire, vous irez sur la vidéo de Keke du morceau. Donc, il n'y a rien de neuf dans mes meubles. Non, ah oui, tiens, j'avais oublié. tant que j'y pense. Grand merci à Maïmi, donc la jeune fille avec qui j'avais fait un gameplay la fois passée. Elle m'a dit oh, « Tu m'as pas fait de dédicace alors que je t'ai filé plein de meubles. » Et mais ma chérie, je suis désolée. Voilà, la dédicace est faite. Gros bisous à Maïmi pour tous les meubles qu'elle m'a donnés, tous les meubles qu'on s'échange. Donc, voilà. Donc que je vous montre donc un truc dont j'avais parlé dans mon ancien, enfin donc dans mon précédent gameplay. Je crois bien que je fais des gameplays avec mon téléphone maintenant. Je crois que ça va pas encore trop mal. Pom pom pom. Enfin je verrai bien. Je verrai bien ce que je ferai durant mon gameplay. Ah bah oui c'est éteint, il est tard. Ah, il est minuit en fait, carrément. Voilà, l'arche de rose, l'arche florale plutôt. Donc, oh, la chanson mini, j'ai jamais entendu. D'accord, ok. Ça fait des proutes. C'est pas grave. Ok, donc voilà, donc c'est l'arche florale. Donc, que j'ai faite, que j'ai inaugurée il n'y a pas longtemps en fait. Donc, je crois que c'était. Ouais, c'était hier en fait. Ouais, c'était hier. Donc j'ai inauguré hier, je la trouve super belle, j'adore ça, c'est trop beau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vous ai expliqué donc, dans le précédent gameplay plus ou moins ce que j'allais faire, mais j'ai détruit le banc, déjà.
Et ici, je vais voir s'il y a moyen d'installer une fontaine. Donc la fontaine, en fait, fait pile 3 cases de large. Donc j'espère vraiment pouvoir bien la centrer devant l'arche. Et ensuite, comme vous voyez, l'arche a des fleurs, des roses roses et des roses rouges. Et alors, donc, je vais faire comme avec mon autre fontaine devant chez Robusto. Je vais mettre des roses rouges et des roses roses en alternance, comme j'ai fait. Donc, ici, voilà. Et alors, donc, je ferai bien sûr une petite part autour de la fontaine avec des chemins, si j'ai moyen, si j'ai la place. Et voilà, je mettrai sur mon petit chemin ici. Puis après, peut-être une petite ligne ou quoi. Puis après, hop, les fleurs autour de la fontaine. Puis hop, encore un petit chemin autour de la fontaine, donc comme ça. Je mettrai souvent des buissons ici, s'il y a moyen de le mettre contre l'arbre, je suppose, je ne sais pas, je verrai bien. Donc d'ailleurs, je crois que j'avais dit, mais je ne sais pas, je le redis encore, comme je ne suis pas sûre. Donc gros bisous à Pierre de Légèrement Guimauve, qui m'a offert donc des hortensias rousses, parce que bon, je n'ai pas encore la boutique qui me permet de les acheter. Donc voilà, il me les a offerts. Maintenant, grosse surprise pour moi, je suis super contente. Demain, j'aurai le bricot Millimilo. Enfin, je pense bien que c'est celui-là. Et là, je pense que je peux commencer à acheter des hortensias roses. Donc voilà, je me réjouis vraiment. Parce que, donc, comme je l'avais dit aussi dans un précédent gameplay, je vais sûrement mettre des hortensias autour de ma maison, donc à la place des hibiscus. Et mettre également peut-être des hortensias roses ici tout le long. Parce que j'aime bien, je trouve ça vraiment joli les hortensias, donc surtout rose, donc voilà. Moi, je sais bien, moi, la couleur rose, c'est loin d'amour. Que vous dire d'autre? Parce que c'est pas facile de faire un gameplay quand on tient d'une main la caméra et de l'autre main qu'on gère la console. D'ailleurs, c'est pour ça que généralement que je dise ma webcam, parce que là, j'ai mes deux mains libres pour jouer. Ouais, donc je crois que d'ailleurs, finalement, je continuerai à utiliser la webcam jusqu'à ce que j'aie la belle caméra dont Indara et moi parlons. Désolée pour la qualité, mais bon, c'est parce que je sais bien que je ferai pas grand chose aujourd'hui que voilà. Comme c'est un mini gameplay, oui, tiens, aussi une idée que j'ai eue, tiens, que je vais vous dire maintenant, je vais essayer, si j'y pense, de vous mettre quelques photos donc dans mes gameplays, donc des d'événements marquants qui se sont passés dans ma ville ces jours-ci. Oh, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Electro? Oh, Electro, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Il m'a fait même coup avec un truc, donc désolé, même si je t'aime beaucoup, Electro, non. Ah, d'accord, je la revends. Donc, merci, mais ça, d'accord, ça va, comme ça, je la revendrai 1800 chez Risette. Donc je la vendrai 1800, c'est très bien. C'est pas moi qui m'ai arnaqué. S'il m'a arnaqué, je le fous dehors. Bien que je l'aime bien. Quand même, bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc j'avais envie de mettre des petites photos donc, de ma 3DS, donc des événements marquants qui se sont passés dans ma ville, ou bien tout simplement des photos que j'aime bien, qui me plaisent à la fin des gameplays. Donc je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous aimerez ça. Enfin, que vous appréciez cette idée, donc voilà. Donc ben, je crois que c'est devant cette superbe petite arche de rose, enfin arche florale. Ah oui, aussi un des trucs que j'ai oublié de vous dire, c'est tout con, hein. J'ai Caro qui m'a proposé encore un projet, mais c'est un projet carrément nul, c'est un panneau de priorité. Ah oui, tiens. Je mettrai fin en gameplay après. Désolé pour cette fausse fin, désolé les gars pour le petit fail, c'est pas un drame. Hein. Qui ne faille pas dans sa vie. Je trouve que c'est un truc qui est pas très terrible. Hein. Pas notre priorité, je crois que c'est un truc routier. Oh là, comme je suis brune. Nouveau chantier. Merci, bravo, bien, bon citoyen. Ouais, on m'a proposé ça aussi. Mais bof, je m'en fous un petit peu. J'hésite à faire toujours ma borne incendie, mais que je l'ai vue chez quelqu'un d'autre et c'est juste immense, je trouve. Trop purée, c'est ça. Ah oui, tiens, tout à l'heure, c'est vrai que mon Indara avait dit de le mettre près de la gare. C'est pas con, tiens. Mais non, j'ai pas envie de mettre ça, parce que c'est pas...
C'est pas beau. Pendant un moment, j'hésitais à mettre la sculpture courbe, mais parce que j'avais peut-être éventuellement une idée d'endroit où la mettre. Mais finalement, je mettrais autre chose. Je mettrais mon puits dans ce coin-là. Donc, voilà. Et je mettrais ma fontaine. Je penserai les consommer ma fontaine demain. Bon. Je réfléchis, j'avais d'autres choses à vous dire. Non, je ne pense pas. Donc, j'ai plus grand chose à vous dire. Maintenant, je finis vraiment ce gameplay. Donc, je vous fais à tous des millions de bisous. Merci encore pour votre fidélité. J'ai encore des nouveaux arrivants depuis le dernier gameplay, des nouveaux abonnés. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Ça me fait très plaisir. Comme ça, puis vous ne louperez aucune de mes vidéos parce que je vois vraiment qu'elles sont très appréciées. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Inscrivez-vous sur YouTube, faites-vous un petit compte, hop, abonnez-vous, je suis sûre qu'il y a même d'autres chaînes que la mienne qui vous plairont. Voilà. Bisous à tous, prenez soin de vous les petits choux.